Fribase, c'est une belle marque qui existe depuis 1980, donc depuis 41 ans. Et nous comptons aujourd'hui 187 concessionnaires avec plus de 300 magasins, puisque certains concessionnaires ont plusieurs magasins. Fribase est le premier réseau en nombre de points de vente en France dans le domaine de la rénovation de l'habitat. Multiples. Chez Triba, d'une part, c'est un réseau qui est pérenne, qui existe depuis longtemps, où vous avez beaucoup de formations qui sont gratuites pour intégrer le réseau. Le budget d'investissement est assez raisonnable, pas très élevé. Le retour sur investissement se fait en 18 mois. À terme, l'idée, c'est de vous proposer aux concessionnaires qui souhaitent nous rejoindre, de proposer un métier qui est agréable, où on vend des beaux produits à une clientèle qui est très motivée par l'achat de ces produits, et avec, à terme, bien sûr, à manager une équipe de 6-8 personnes avec du personnel assez varié. Donc c'est un métier qui est plein de facettes, où ce qui est important, c'est effectivement l'humain et l'empathie vis-à-vis des clients, et puis aussi évidemment l'aptitude au commerce pour faire des belles ventes, l'appétence technique. Alors, un projet chez Triba, quand on veut rejoindre le réseau, ça peut être soit une création de concession, soit une reprise de concession. C'est un projet qui dure en moyenne 9 mois. Et donc, au niveau des étapes, je dirais que la première, c'est de nous rencontrer au développement. Ensuite, c'est de pouvoir avancer dans la connaissance de Triba et de la maison mère Triba, donc en participant à une journée d'information candidat, d'apprendre à connaître le futur métier auquel le porteur de projet s'intéresse avec un vie ma vie de concessionnaire sur 4 jours en stage de découverte dans une concession. Et puis ensuite, d'avancer sur toutes les étapes du projet. Il va y avoir une étape clé qui est la signature du contrat de concession et puis des formations pour apprendre ce nouveau métier. Au niveau du développement, ce qui est important, c'est de suivre le projet sur toutes ces étapes, c'est-à-dire la recherche de locaux adaptés, la recherche de financement et la création de société. Ce qui est important pour nous, c'est de rencontrer quelqu'un qui a une personnalité avec une expérience commerciale, une appétence technique et puis du leadership pour manager à terme une équipe de 6 à 8 salariés. Oh, plein de choses. Dans un réseau comme Triba, il se passe toujours plein de choses. Nous avons ce nouveau spot télé qui vient d'arriver là au mois de juin 2021. Nous avons donc reçu pour la deuxième fois le prix meilleure menuiserie de l'année. Et puis, nous devons fêter les 40 ans de la marque avec un petit peu de retard puisque ça aurait dû être en 2020. Donc nous avons un moment festif important avec le réseau qui aura lieu début 2022.